Je vous assure, cher cousin, que vous avez dit bizarre, bizarre. Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre. Aujourd'hui, nous allons tenter de percer les secrets de la Dame de Serre, une des plus anciennes sculptures en pierre de l'art grec antique connue. Son parcours rocambolesque jusqu'à la galerie de la Grèce préclassique du Louvre comporte encore quelques zones de mystère que nous allons tenter d'élucider. Oui, et certainement de l'ancienne cité d'Éleuterne, et plus précisément de la nécropole d'Ortipétra. La nature du calcaire dans lequel elle est sculptée et la comparaison avec les objets funéraires exhumés permet également de penser que la Dame d'Auxerre a été trouvée dans cette nécropole à la fin du XIXe siècle. Haute de 65 cm, datant du 7e siècle avant Jésus-Christ, elle est la plus parfaite représentation du style dédalique, la première expression de la statuaire grecque. Ce nom dédalique est emprunté au sculpteur mythique Dédale, l'auteur des premières statues grecques et du célèbre labyrinthe enfermant le Minotaure. Admirez cette jeune femme aux pieds nus, en position frontale, un corps composé d'une juxtaposition d'éléments géométriques massifs, une robe cylindrique, un buste triangulaire, un visage allongé, de grands yeux en amande et une bouche modelée, laissant apparaître un subtil et gracieux sourire, préfigurant le fameux sourire archaïque de la période suivante. Ce sourire est nullement dentolabial, comme nous pourrions l'observer de nos jours. Ce prémisse du fin sourire archaïque est très bien défini par André Malraux. C'est un sourire qui s'adresse à celui qui le regarde. Un sourire destiné à rendre heureux celui qui l'admire. Oui, les répertoires décoratifs et les techniques venues du Proche-Orient et d'Égypte sont alors largement diffusés et repris par ces artisans crétois, les assimilant à leur tradition. Son bras gauche est plaqué le long de la cuisse. Le bras droit est replié sur la poitrine. Cette gestuelle reste une énigme. Elle est l'unique exemple que nous connaissons. Fait-elle un geste d'offrande? Vraisemblablement pas. La main est plate et se posant entre les deux seins ne peut recevoir aucun attribut ou aucun objet. Est-ce un geste d'adoration, de prière? La codification nous échappe totalement. Qui est-elle? Une divinité féminine? Astarté? Une Corée? Une offrande votive? Une victime? Retrouvée dans la sépulture, serait-elle l'invention d'une disparue? Notez que certains archéologues affirment dans leurs fouilles récentes la pratique de sacrifices humains aux alentours de 700 avant Jésus-Christ. Ni femme, ni déesse, la Dame de Serre reste un idéal entre mortel et immortel. Son périple jusqu'au Louvre est rocambolesque. Sa trace est attestée pour la première fois en 1895. Des fouilles de la nécropole d'Éleuterne, elle aurait été acheminée clandestinement en France. La Dame d'Auxerre entra dans la collection parisienne constituée dans les années 1890 de Monsieur Bourgoin, sculpteur sur bois, marchand et amateur d'art, et s'installe à Saint-Brie-le-Vineux et y décède en 1894. Son épouse décide alors de se séparer de la collection et nous retrouvons la Dame d'Auxerre figurant sur le catalogue d'une vente aux enchères le 26 mai et le 2 juin 1895. La Dame de Serre y est achetée pour 1 franc par le crieur du commissaire-priseur, un certain Louis David, également concierge du théâtre d'Auxerre. Notre sculpture est alors utilisée comme décor, notamment dans l'opérette Galatée de Victor Massé. Voulant ensuite se débarrasser de l'encombrante sculpture, David la dépose dans le vestibule du musée d'Auxerre. Le gardien découvre la sculpture et relègue ce caillou cassé dans les réserves du musée. En 1907, la Dame d'Auxerre est finalement repérée par le fameux archéologue Maxime Collignon, spécialiste de la sculpture grecque. Sa découverte est un choc. Maxime Collignon comprend immédiatement sa grande importance pour la compréhension de l'histoire de la sculpture grecque antique. En 1909, elle est acquise par le Louvre en échange d'un tableau torrent dans le Var d'Henri-Joseph Arpini et fait enfin son entrée dans la salle de Diane. On l'a dit mystérieuse, énigmatique, mais qui est-elle? La Dame d'Éleuterne ou la Dame d'Auxerre ou la Dame du Louvre? Cette jeune femme à la beauté intemporelle est l'œuvre d'un sculpteur parfaitement maître de son art. Elle est le merveilleux faisant brusquement irruption dans le réel. Contemporaine d'Homère, star du Louvre, elle garde une partie de ses secrets. Son sourire énigmatique
n'est pas sans rappeler le sourire de certaines.